Basile. Oui, monsieur. Tu penseras aux crevettes pour mes invités. Oui, monsieur. Hein? Nous être attendus pour faire affaire avec le capitaine du bateau. Monsieur Jérôme, nous avoir fait long trajet pour venir okay. ici. Je dois vous fouiller. Mettez-vous sur le côté. Assez, assez. Oh là là. Laissez-les entrer. Bonjour. Nous sommes Tatiana et Dimitri Zongiev. Nous venons pour affaire. Une seconde, je vous prie. Bienvenue à bord du Crids. Ravi de vous rencontrer. J'ai tellement entendu parler de vous. C'est un plaisir. Un cadeau? Vous savez que j'adore les cadeaux. La tradition en Russie veut que le cadeau soit ouvert après conclusion des marchés. Ah, très bien. Mais dans ce cas, nous ouvrirons le cadeau après nos petites affaires. Hmm? Vous me suivez? Non. C'est seulement un geste. Je ne pense pas qu'il soit à la hauteur de votre extravagance. L'extravagance est à la majesté ce que l'éphémère est à la vérité. Asseyez-vous. Comme vous pouvez peut-être le constater, la vie a été plutôt clémente avec moi. Je peux satisfaire quasiment le moindre de mes désirs et de mes envies. Comme quoi, par exemple ? Comme par exemple... un putain de yacht des familles que j'ai jamais sorti de son garage. De son garage à bateau. Amusant. Je suppose que vous ne refuserez pas quelques crevettes. Non merci, nous avons goûté les crevettes que vous nous envoyez. Cependant, nous avons les... Vous savez, je sais très bien pourquoi vous êtes ici. Respecte les crevettes. Je connais exactement les raisons de votre venue. Enfile-moi ça. Les affaires ! Vivienne ! Le dessert ! Basile ! Et maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Le cadeau ! Le cadeau ! Le cadeau, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Que caches-tu dans tes entrailles ? Oh, qu'elle est belle ! Qu'est-ce que tu fais ce soir ? Ça te dirait qu'on a... Oups. Notre amour était impossible. As-tu bien travaillé aujourd'hui, ma fille ? As-tu fait tes devoirs ? As-tu rangé ta chambre ? Quoi ? Non ? Je te renie pour l'éternité ! Ah ! Oh non. Non. Oh non, on est en train de la perdre. Non, pas ça. Non. Oh non, elle est décédée. Oh non. Et maintenant, la petite dernière, la toute petite. Comme ta bite. Putain de nom de Dieu de merde. Vas-y. Jérôme, mon petit chou, où tu te caches? Écoutez, c'est regrettable ce qui s'est passé. Je te garantis que j'ai approximativement 34 balles de 9 mm à t'exploser dans la tronche. Alors maintenant, tu vas lentement faire glisser ton pistolet et nous indiquer où se trouve le gosse. Ce qu'on va faire, c'est que vous allez partir maintenant et on vous laisse l'enfant vivant. Thank you.
enfants, faites pas les cons. Jérôme. Si tu touches au gamin, tu vas être ma chérie en colère. Et je t'assure que c'est pas du joli-joli quand madame est énervée. Non. C'est mon putain de bateau. C'est moi qui décide ce que je fais dedans. Ce qu'on va faire, je vais vous envoyer l'enfant, et vous allez quitter mon putain de bateau sur le champ, en posant vos armes. Là, il est là. Il est là, le gamin. Il tire une gueule. Il est vraiment pas en forme. Ok, t'as gagné, Jérôme. On va lâcher nos armes. Voilà, on va faire comme ça, c'est parfait. Et on très bonne décision. Adieu.